OK, donc du côté est de Belleau, en sortant et en vous dirigeant vers le nord dans le Prince Regent Inlet. C'est ça qui vous fait peur un peu plus. Hein? Ouais, ben de toute façon, là, on va bien voir quand on sera là-bas. Hein. Ça peut évoluer encore, je pense, dans les deux jours qui arrivent. Ouais, nous, quand on. C'est ça, il y a environ une semaine qu'on a passé là et on arrivait de Resolute Peak. Donc, au lieu de se diriger vers le sud dans le Peel Sound, comme on aurait fait habituellement, on est revenu un petit peu vers l'est. Puis on est descendu dans le Prince Regent Inlet vers Belleau. Puis c'était pas si mal, là. Il y avait quelques strips de glace environ au milieu. On a eu une petite partie à traverser au nord, là, mais ça change vite. Il y a de la nouvelle glace qui se forme, puis ça se recompacte. Puis il me semble sur la dernière carte que j'ai reçue aujourd'hui, on avait l'Internet à Cambridge. Là. Il me semble qu'il y a des bonnes patchs de 9 dixièmes. Et puis, donc c'est à vous de voir quand vous allez être rendu là, si c'est navigable tranquillement. Vous avez quoi comme grosseur de voilier, hein, vous? Alors c'est une goélette qui fait 36 mètres de long et 10 mètres de large. Et on fait 140 tonnes en poids. Celle-là, il va avoir un peu le. Ouais, là, tu as éclairé les mâts donc. Voilà, j'ai éclairé le pont en fait, comme ça, comme il nous passe à côté, il voit un peu à quoi ressemble le bateau. Ça lui donne une idée de. Parce que je pense qu'ils n'ont pas internet, le bateau, ils ne le connaissent pas, donc là, ça va lui donner une petite idée de la taille. Là, on a échangé en français, donc c'était quand même assez facile. Et donc voilà, ouais, l'accent canadien, ça nous remet dans la situation. Quoi. On voit où on arrive, on sait qu'on est dans le nord canadien. Quoi. Là, c'est assez sympa. Ouais. C'est marrant d'ailleurs d'entendre parler français avec cet accent. Donc, pas, ouais, c'est clair, c'est pas courant. Hein. Enfin, nous, on n'est pas habitués, donc il va falloir qu'on s'habitue un peu maintenant. Mais c'est des gens qui ont l'air très très sympas en tous les cas. Et je pense que les marins en général, Ils sont assez sympas dans le coin, encore plus, quoi, parce que c'est des endroits où on se retrouve vite seul et on a besoin de discuter pour avoir des conseils sur la glace, sur d'où on vient et où on va. Quoi. C'est important, ça peut être des informations très importantes. Ouais, le gars, il était de quart et lui, il était super content de discuter aussi, je pense. Hein. Tous les gens qui sont de quart, c'est un moment où on est seul et on a envie de discuter, quoi. Ça se voyait qu'il avait envie d'échanger. Quoi. Le temps est un peu long d'ailleurs des fois dans le car. Non, on fait d'autres choses, c'est différent, c'est pas long. Si on sait s'occuper, ça passe assez vite en fait. On arrive à trier les photos. On fait des choses qu'on n'arrive pas à faire la journée, donc c'est sympa.